Ça nous ramène à dire que finalement, on est tous honorés. Mais la volonté divine a voulu qu'on soit différent. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose parce que c'est une mise à l'épreuve. Et il nous le dit. Il nous le dit, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ » Et le dernier, « وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ » Si votre Créateur a voulu, il aurait fait de vous une seule nation, mais il vous a fait différent, et vous resterez différent. Et c'est pour ça qu'il vous a créé. Donc finalement, il justifie clairement pourquoi il nous a créés différents. C'est une mise à l'épreuve. Est-ce qu'on va accepter la différence ou non? Est-ce qu'on va respecter cette différence ou non? Est-ce qu'on va valoriser cette différence ou non? Alors, si c'est ça la parole divine, si c'est ça la référence sacrée, pourquoi se comportons-nous différemment? Alors, il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Vous avez eu en le prophète le parfait modèle. Et nous savons tous, le prophète, c'est lui qui nous traduit la parole divine en actes concrets. Parce que sa vie, sa conduite, son comportement, ce sont des traductions fidèles de la volonté divine. Alors, regardons ce qu'il a fait, le prophète, dans sa vie. Comment il a consacré ce respect de la différence? Comment il a consacré cette unité dans la différence? C'est l'unité dans la pluralité. C'est la différence dans l'unité. Finalement, il y a toujours cette unité. Je vais vous citer quelques exemples. Premier exemple, et il est flagrant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 13 de la révélation, est obligé d'émigrer à Médine et donc de quitter sa terre natale, sa ville natale, la Mecque. Il arrive à Médine et il trouve une société qui est déjà faite de 5 grandes tribus. 2 tribus arabes, les Aous et les Khazraj, et qui ont accepté volontairement d'embrasser sa foi. Et 3 grandes tribus juives qui ont refusé de changer de foi et qui sont restés avec lui. Première déduction, est-ce qu'il les a exterminés? Est-ce qu'il les a tués? Est-ce qu'il les a rejetés? Est-ce qu'il les a exclus de sa ville? Parce qu'il a créé le premier État musulman. Première chose qu'il fait, quelques jours après son arrivée, il convoque tous les chefs de tribus et donc les respectables de la cité. Et ils se mettent autour d'une table, il leur dit, voilà, nous appartenons à la même cité. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à cohabiter. Et donc, on va mettre quelques règles pour qu'on puisse vivre dans la paix. Et là, ils vont coucher ce qu'on appelle la première constitution de l'humanité, et qu'il a appelé le pacte de Médine. Le pacte de Médine, Sahifatul Madina. C'est une constitution qui est faite de 53 articles. D'ailleurs, que je rapporte dans l'un de mes livres, que mon ami n'a pas cité, c'est le prophète de l'islam, le modèle. Je rapporte cette constitution, 53 articles. 10 articles sont consacrés exclusivement aux habitants juifs de Médine. Par exemple, un article où il dit les citoyens, et rappelez-vous de ce mot-là, parce qu'il est le premier qui a consacré la notion de citoyenneté comme socle d'appartenance au pays. Il n'y avait pas la foi, ce n'était pas la foi qui était le socle d'appartenance, mais c'était la citoyenneté. Un citoyen de Médine a tous les droits et les devoirs du point de vue de son appartenance. Ce n'était pas la foi, parce qu'il y avait les juifs, il y avait les musulmans, il y avait certains chrétiens qui étaient venus s'installer. D'ailleurs, il y a une histoire très importante d'un grand médecin qui est venu donc, du Cham, donc de la Syrie, qui était chrétien. Et puis, il y avait les païens, donc qui ne croyaient en rien, ou ceux des athées. Eh bien, ils avaient justement
cette appartenance à la cité et donc qui était consacrée par la citoyenneté. Qu'est-ce qu'il dit ? Les citoyens juifs de Médine ont la totale latitude de pratiquer leur foi sans que personne ne s'y immisce ou ne s'y oppose. Article 2, il dit, les lieux de culte de la communauté juive, c'est-à-dire les synagogues de Médine, sont sous la protection de tous les citoyens de Médine et que tous ont l'obligation et le devoir de les défendre si jamais il y a une menace. Et je peux continuer sur les différents articles. 12 articles, autres à part ces 10-là, qui ne parlent que de la cohabitation entre musulmans et juifs, parce qu'ils représentaient la majorité donc, de la population de Médine, comment ils doivent cohabiter, comment ils doivent contribuer, ensemble au budget de fonctionnement de la ville. Parce que certains pensent que le jizya, donc que payer les non-musulmans, était quelque chose d'abstrait ou quelque chose d'arbitraire. C'était juste une simple contribution, parce que les musulmans payaient la zakat, et les non-musulmans payaient justement la jizya, et qui était toute versée dans la caisse de l'État pour faire fonctionner justement les différents services de l'État. Et c'est comme ça que la vie a continué. Je vais m'arrêter là et je vais aller directement à un autre exemple, parce que le temps ne le permet pas. Deuxième exemple, c'est du deuxième calife du prophète, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, en l'an 15 de l'Hégire. 638 de l'ère chrétienne, c'est une date importante. Il rentre dans la ville d'Ilia. Ilia, c'est le nom romain qui était donné à Al-Quds, Jérusalem. À ce moment-là, il ne s'appelait pas encore Al-Quds ou Jérusalem, elle s'appelait Ilia. Il rentre, première chose qu'il fait, il va rendre visite à l'archevêque d'Ilia. Et donc, il rentre le voir dans sa cathédrale. Il commence à discuter dans le respect. Et puis à ce moment-là, il y a l'appel à la prière d'Al-Asr, donc la prière de l'après-midi. Et l'archevêque lui dit, calife, est-ce que vous voulez accomplir votre prière ici? Il lui dit, non, je vais sortir l'accomplir dehors, de peur que les générations futures qui vont venir vont se dire, puisque notre calife a accompli la prière dans la cathédrale, et bien c'est de notre devoir de rentrer l'accomplir dans la cathédrale. Et ils vont vous importuner ou vous déranger. C'est votre lieu de culte, il doit être respecté et préservé. Et il sort et il accomplit sa prière à l'extérieur. Puis, ils établissent un pacte qu'on appelle en arabe Al-Uhd al-Umariyya. C'est le pacte de Omar ibn al-Khattab et qui est aussi constitué d'un certain nombre donc de points et d'articles stipulant que les gens d'Ilia, qu'ils soient chrétiens ou juifs, ont la totale latitude de pratiquer leur culte dans leur lieu de culte sous la protection de toute la population et de l'armée musulmane parce que c'est elle qui gouverne sur place. Et il intime dans le pacte un ordre au gouverneur, son gouverneur sur Ilia lui dit « Vous avez l'intime responsabilité de protéger les citoyens chrétiens et les citoyens juifs d'Ilia » Et aussi, parce que la cathédrale elle tombait en ruine, il dit, et je vous donne aussi l'autorisation de prendre de la caisse de l'État pour restaurer la cathédrale, parce que c'est un lieu où on adore Dieu et on adore le même Dieu. Je passe, parce qu'il y a tellement de choses essentielles à dire, mais bon, le temps ne le permet pas. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec certains de ses compagnons. Et il leur disait, avant que j'eus la révélation, quand j'étais encore à la Mecque, j'ai participé à une alliance. Un jour, il était donc à la Mecque, il était encore jeune, et puis il se retrouva avec donc les notables de la Mecque qui sont réunis et ils ont décidé de créer une alliance qu'ils ont appelée l'alliance de la vertu ou l'alliance des vertueux. Qu'on appelle, nous, en arabe, « hilful fudul », qui consistait en quoi? Qui consistait à protéger les opprimés, à soutenir les pauvres et les faibles contre l'arbitraire. Et il leur dit, le prophète, à ses compagnons, «
Ça, je l'ai fait avant la révélation. Mais c'est aujourd'hui qu'on a le devoir de le faire et qu'on doit le perpétuer. Parce que la religion nous intime le respect de toutes les communautés, nous intime à soutenir le faible et à protéger l'opprimé. Et c'est un devoir qu'on doit continuer à exercer et donc à perpétuer. Je passe au quatrième calife, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu arda. Ali, quand il prit donc la direction de la Oumma, bien sûr, il va nommer des gouverneurs. Et bon, il nomme un gouverneur en Égypte, parce que l'Égypte, à ce moment-là, a connu des turpitudes du temps de Abu Bakr, de Omar et de Uthman, avec bien sûr l'assassinat de Uthman. Et donc, il nomme Malik ibn al-Ashtar. Et donc, le jour où il le nomme, eh ben, vous savez, généralement, il lui fait un écrit. Et dans cet écrit, il lui dit « Ô Malik, je viens de te nommer gouverneur d'Égypte. Et sache que tu seras regardé, scruté et jugé comme l'ont été ceux qui t'ont précédé. Certains étaient justes, d'autres étaient injustes. Alors, rappelle-toi, avec lesquels tu veux être? Est-ce que tu veux être avec les justes ou tu veux être avec les injustes? Ô Malik, et je suis en train de résumer, ô Malik, sache que dans la communauté que tu vas gouverner et que tu vas être appelé donc à gérer, il y a des gens forts, mais il y a aussi des gens faibles. Il y a des gens qui sont de ta foi et il y a des gens qui sont d'une autre foi. Mais sache que devant toi, ils doivent obéir à la même justice. Alors, sois juste, sois clément, et sache que ce que tu feras aujourd'hui en tant que justice, en tant que clémence, attends-toi devant le Créateur d'être jugé de la même manière. Alors, avance, fais ce que tu veux, de la manière où tu veux être traité dans le dola. Lui a dit, aujourd'hui, tu gouvernes ces gens. Moi, je suis au-dessus de toi, c'est-à-dire je te juge et je te suis. Et au-dessus de moi, il y a Allah qui me voit, qui me juge et qui me réserve quelque chose. Alors sache, quoi que tu fasses, je suis là pour te corriger ou pour t'encourager, parce que moi-même, je sais que je suis vu de d'en haut et je serai jugé et je ne veux pas être dans le delà, dans une mauvaise posture. J'ai essayé de vous résumer un petit peu ce qui se dit, ce qui s'est dit. Et après, bien sûr, et après, il y a, je vais revenir à mon domaine, donc au soufisme. Les grands soufis, comment ils se sont manifestés? Comment ils se sont comportés dans ce vivre ensemble? Parce qu'ils le basaient essentiellement sur l'amour de l'autre. Et on se rappelle tous ce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Hujurat. Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Il nous interpelle, il nous dit aux gens, il n'interpelle pas, Allah n'interpelle pas les croyants ou les musulmans, il interpelle l'être humain, les gens. Il leur dit clairement, je vous ai fait de mâle et de femelle et j'ai fait de vous des nations et des tribus. Pourquoi? Pour que vous vous entreconnaissiez. C'est quoi s'entreconnaître? Connaître, se connaître mutuellement, c'est d'abord dialoguer. Je ne peux pas vous connaître si je ne dialogue pas avec vous, si je n'échange pas avec vous, si je ne parle pas avec vous. Mais si j'établis un pont de communication avec vous, je parle avec vous, j'échange, je vous connais mieux. Si on se connaît mieux, on se respecte mieux. Et si on se respecte mieux, on peut s'apprécier mutuellement. Et si on s'apprécie mutuellement, pourquoi ne pas s'aimer mutuellement? Et c'est ça ce que les gens de la voie soufie ont essayé de consacrer. Au point que certains ne voulaient même pas appeler l'autre l'autre. Ils l'appelaient « ô moi ». Il ne lui dit pas « ô toi », il lui dit « ô moi ». Un des grands soufis du 3e siècle de l'Égypte, du 9e de l'ère chrétienne, c'est Abul Yazid al-Bastami. Abul Yazid al-Bastami était l'oncle de
Al-Junaïd. Il disait Wallahi, Wallahi, la yuhibban al-mar'u akhahu hatta yunadihi ya ana. Il jugeait, il jurait, il dit quelqu'un ne peut pas réellement aimer l'autre s'il ne l'appelle pas au moi. Et je ne peux pas parler de cette position d'amour tellement profonde et importante sans citer un très beau poème de Maulana Jalal Din Rumi. Maulana Jalal Din Rumi parlait de cette position et il disait dans un beau poème, je vais le citer en arabe. قال للمحبوب لما زرته من بالباب قلت بالباب انا قال لقد اخطات في تعريف الهوى حينما فرقت بيننا ومضى عام ولما اتيته الى الباب مهمنا قال من بالباب قلت انظر ليس في الباب الا انت ها هنا قال الآن أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. C'est un exercice extrêmement périlleux et difficile de traduire Maulana Jalal Din Rumi, mais je vais faire l'effort quand même, parce qu'il ne faut pas quand même priver les noms arabophones de cette magnificence. Ce qu'il veut dire à travers ce poème où il y a quatre vers. C'est quelqu'un qui arrive chez son bien-aimé. Et donc il dit, je suis venu taper à la porte de mon bien-aimé. Et il dit, qui est devant la porte? Je lui dis, c'est moi devant la porte. Alors il me dit, retourne, parce que tu t'es trompé dans la définition de l'amour. Il dit, un an après, je suis revenu le voir, mais beaucoup plus modeste et restreint. Et j'interpelle, je tape à la porte, il me dit, qui est devant la porte? Et je lui dis, regarde, regarde, il n'y a que toi devant la porte. Il lui dit, maintenant, tu as su définir le vrai amour, alors rentre au moins. Je vais vous résumer un des fondements du vivre ensemble, c'est le respect. Et le respect est lié à l'engagement. Et moi, je me suis engagé vis-à-vis du président de ne pas dépasser 20 minutes. Je suis déjà à 21 minutes et donc je dois faire preuve de respect et d'engagement et d'abnégation pour un meilleur vivre ensemble. Merci.